Jésus a dit que tu vois que tout laisse, non, tout laisse. Maintenant, ça t'a laissé des osings. Tu vois que tout laisse, non, tout laisse. Aujourd'hui, ça t'a laissé des... On t'a laissé d'enregistrement. Ouh, le goût de ça, papa n'a négociateur. Choua na bongé. Donc, tu faisais le ngunda, les narines évasées. Donc, tu es assoiffé comme ça. La gang de Kango. Arrêtez de rentrer dans les inbox des gens. Ya, le feu! Vous n'êtes pas suffisamment serré comme ça là-bas chez le général. Oh, ya, Jonas. Oh, quand je voyais, j'ai vu ta fille pour la première fois. J'ai eu les larmes. Oufoura! Oufoura! Mensonge. Oh, faut rentrer, j'ai trois sociétés. Attendez, on va écouter. Moi aussi, je n'ai pas encore écouté, on va écouter ensemble. Franchement. T'as des followers qui sont là pour te signaler parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Au bout d'un certain nombre de signalements, ta page, ton compte est touché. Et comme il n'y a qu'un seul compte attaché à ta page va être touchée. Si tu mets 5 comptes, et même si tu touches un compte, un autre compte va prendre le relais, ton autre compte va prendre le relais, la page n'est pas touchée. C'est comme ça que moi je jonglais quand c'est bien me signaler. Ouais, c'est dommage, ouais. Parce que tu as vu tout le contenu et tout le travail qu'on a fait sur le GCS jusqu'à aujourd'hui. Non, j'ai perdu ma première page, c'est comme toi. J'ai dû recréer Stéphane Zeng la page il y a 2 ans. C'est jamais ce mec quand je faisais la fashion politique. Je ne savais pas ça. C'est Facebook qui m'a expliqué ce que je te dis là. Ouais. C'est dommage, ouais. J'ai tout perdu là, toutes les données qui étaient là. C'est vrai que voilà. J'ai 2 autres pages officielles de secours. Bon. Et que là où le Congo ça commence à se faire le feu, oh Seigneur, qui fait, qui livre, qui? Bien parlé. J'ai dit quand tu as fait le tout, j'ai dit que le grand, eh, hey, Seigneur.
Je ne suis même pas dans les Wina. Alors, c'est pas grave, c'est ça. Bon, on fait comment l'affaire. On fait comment l'affaire. Est-ce que c'est toi qui vas être à côté de ce genre de truc qui se passe au Gabon, grand Jonas? On fait comment? Stéphane, toi tu connais mon statut, j'ai posé, je ne suis pas, contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas pour une politique, j'ai juste posé un problème de garantie, j'ai posé un problème de garantie parce que tu sais que si j'approche Olivier, je perds mon statut. Hier, j'ai eu Benigno Mina, qui m'a rappelé, avec Madame Angozama. L'avait rappelé la veille. Donc, j'ai écrit à l'OFPRA et hier, quand j'ai appelé, malheureusement, l'officier de protection n'a pas travaillé. Il dit qu'il est question de signaler et d'avoir leur accord. Parce que, à la suite de ce qui s'est bien passé, tu sais que les gens là, nous suivent, contrairement à ce qu'on pense. Il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo où il me tapait du cas à la tête. Là. Tu te rappelles la vidéo là? Oh, je n'ai pas vu. Non, mais non, après le meurtre, tout ça, ça fait du bruit. Et du coup, j'ai fait un signalement à l'OFPRA et j'ai déposé plainte contre un gars là qui menaçait de mort qui habite le Havre. Parce que là, il a dit qu'il va me tuer, tout là où il va me voir et tout. Donc, tu comprends maintenant que quand j'envoie un mail, quand j'appelle l'OFPRA pour dire bon, voilà le président de la nation ici, il va dire mais c'est pas les mêmes gens qui te menacent. Tu vois, c'est embêtant. Oui. On me dit oui, mais c'est les mêmes gens qui te menacent, tu vas aller à leur rencontre. Tu as quelle garantie? Donc, ils me disent, oui. On va voir si on peut trouver quelqu'un pour t'accompagner, mais on te conseille d'aller seul. Tu vois, c'est embêtant. Parce que les gars, là, au lieu de souffler le froid, eux, ils menacent les morts. Et c'est même ce que Diamanda a fait. Diamanda peut perdre son statut, je te dis sincèrement. C'est vrai. J'espère qu'il a pris la disposition de signaler avant. Parce qu'il faut signaler et avoir l'accord. Donc, je suis au niveau de l'attente de l'accord. Pour pouvoir aller le rencontrer. Sans leur accord, je ne peux pas prendre ces risques-là. Tu comprends? Je te comprends tout à fait. Ouais. Moi, ce que je peux te dire, ce que je vais te parler, je ne vais pas m'engager pour quelqu'un. Mais je vais te dire, tu sais que moi, je m'en prends parler, je ne tourne pas là-dessus. Et ce que je te dis là, je l'ai dit pareil en général. D'abord, c'est une personne qui est directe. On a vous parlé, vous avez dit toi, ils vont télécharger vos lives, on suit vos lives, on s'est dit les choses, c'est quelqu'un à qui tu peux dire les choses. Il n'est pas là pour tourner. Et je te dis ça à 200%. La deuxième chose, c'est que, moi je te dis, hein, si le gars là avait quelque chose contre moi, Jonas, je ne serais pas vivant. C'est pas un gars qui blague avec le fait que non, il veut finir avec son adversaire. C'est un militaire, c'est pas un petit militaire. Et c'est pas seulement lui. Mais moi je parle pour moi, je parle pas d'abord pour toi, je parle pour moi. Ce que j'ai vu, ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y a une volonté vraiment de changer le Gabon, mais ils sont conscients de leurs limites, et ils sont conscients du fait qu'ils ont besoin de travailler avec des personnes qui sont allées à l'école, des personnes qui ont eu 3, 4, 5 vies dans leur vie, des personnes, un militaire a une seule vie. Le matin il se réveille, il fait ses abus, il fait ses pompiers, courent, il a sa fiche de mission, il rentre chez lui. Nous on a 10 vies. Tu as eu 15 vies dans ta vie. Donc forcément, à un moment donné, il s'est dit que bon, en termes d'expérience et même d'expertise, sur certains sujets, c'est pas nous, c'est eux. Donc ils tendent la main, c'est pas seulement aux gens pour calmer quoi. C'est aussi parce qu'ils se disent que si on va développer, on développe. Ouais, mais on développe avec ces gens. Je comprends sa démarche, c'est tout à fait logique. Maintenant, la seule chose que moi je reproche au général, c'est quoi? C'est qu'il sait que nous, on a beaucoup. On est allé trop loin dans ce combat. Il va partir même de s'exprimer publiquement en disant tous les activistes vont rentrer. Celui qui va toucher à un seul cheveu d'un activiste. Donc, il faisait ça, ça dit que les gars qui sont autour là. Parce que moi, tu sais que les ennemis, c'est pas lui en tant que tel. C'est les autres généraux, les autres gars qui sont tapis dans l'administration, les gars qui ont dénoncé dans les crimes rituels. Regarde même Magumbu, il fait même partie du dispositif de voyage et tout machin. Bon, comment je me retrouve que ce gars-là qui a tué ma fille? Tu comprends? C'est embêtant. Et tant qu'on ne les a pas calmés, Omar Bongo, il tapait sur la table, c'est bon. Il disait, si quelqu'un sait. Voilà. Donc lui, il aurait pu faire ça, ça allait calmer les ardeurs. Parce que si je rentre demain, n'importe qui peut me tuer pour qu'on dise que son ligue, tu comprends? Ils vont dire à son ligue. Alors que le pauvre n'avait rien à voir. Il y a un gars qui a tenté de m'agresser dans un salon de coiffure à Creil.
Parce que j'allais me coiffer là-bas, j'ai pas trop à me coiffer là-bas, c'est vrai, parce que j'ai un temps que le coiffeur, il faut pas trop le changer. Donc j'avais déménagé, mais j'avais gardé moi-même coiffeur. Et le gars, il était au téléphone, il me l'ordonnait dans le salon coiffure, il faisait des photos. Mais tu sais que quand tu es devant le miroir, tu vois celui qui est derrière, quand tu te coiffes. Donc je voyais ce gars-là, et quand je sors, il me dit, vous êtes Gabonais, c'est vous Moulinda? Et je dis, pourquoi? C'est toi qu'on a envoyé l'adresse. Et puis là, il a pris le téléphone pour appeler quelqu'un. Il dit, non, on va faire une photo rapidement, ma chère. Je dis, mais pourquoi tu veux faire la photo? Il dit, bon, là, envoie-moi ça, je lui donne le WhatsApp, le gars ne m'envoie pas ça. Là, et j'ai appelé au coffre pour dire, écoute, sors un peu, écoutez, ce que dit le monsieur qui est devant, qui est à l'entrée du salon. Il dit, oh, je l'ai raté, il a démarré, mais j'ai pas eu le temps, et puis il y a une caméra de surveillance devant. Le message est déposé, et une plainte contre X parce qu'on a pu retrouver sa photo, on le cherche. Tu vois, donc, et tout ça, l'OFPRA a une copie de ces choses-là. Donc, quand l'OFPRA prend ça, l'OFPRA ne peut pas être rassuré. Tu sais ce qui est arrivé au garde général de. Des Congolais qui arrivaient ici, là, on a tiré deux fois sur lui. Ça fait peur. On nous a renvoyé encore, mais ça a pris le degré de vigilance. Attention à vos contacts avec vos compatriotes. Donc, moi, j'ai dit ça. Je me dis ça. Tu connais le jeune là, il s'appelle comment Niyundu Alison. Tu connais Alistair plutôt. Alistair. Il est dans le discours. Ton avocat, mais que même la prison n'est pas répondu à la.
Que non, les Gabonais savent que je suis rentré. Le général a dit, les gens doivent rentrer chez eux. Et vous, vous voulez me faire un truc où le délai de prescription est dépassé? Ça va passer par qui? Le lieutenant là qui m'a appelé là de Delville, il a arrêté seul. Quelle information va te faire sur un truc qui date de 6 mois, 7 mois? Quelqu'un va sortir un live de 1 an, 8 ans, 9 ans, il va dire que non, machin, diffamation. Ça va passer par où, grand? De toi à moi. Non, je comprends. Donc, c'est pas la différence. On a besoin juste de. Nous, on a besoin de la protection de celui qui a la tête du pays. Parce que quand il y a sa protection, le reste, de toute façon, ne peut rien faire. Or, le son de sa protection est déjà, je peux te le dire à 200%. Le son de moi. Attendez un peu. Hé, on dit, il y a quelqu'un qui veut venir diriger sur ma page ici. Il s'appelle comment? Si tu n'étais pas calmé, Jirolu Mangabarala. Si tu ne te calmes pas, moi je suis venu seulement retransmettre, hein. C'est pas ma voix que tu entends dedans, d'accord? Je suis pas l'ami de Stéphane. C'est ma personne ici, c'est Moulinda. Comment le problème a commencé, je ne connais pas. Mais comme j'ai entendu que c'est la tontine d'Enzing, je suis venu aussi seulement pour ramasser le chantier. Je suis en train de retransmettre. Donc si tu t'es trompé, parce qu'on dit souvent vous vous connectez puis vous laissez vos cerveaux dans vos maisons. Décris tes pépettes. I'm going to show you who I am. Je n'ai pas demandé ton avis. Hein. Tout le monde vient ici, on écoute. C'est le socor, comme dit Aïcha la Camoise. C'est tombé du camion. J'ai ramassé. Donc tu fermes seulement ta bouche et tu écoutes. Parce que moi, je ne peux pas aller regarder 2 heures de temps de Moulinda. Il y a le socor aussi de la sœur de, comment on appelle ça, d'Oligui, de même pas une villageoise. Une villageoise qui est rentrée dans le soco. Des activistes. Toi, tu peux rappeler Kounia Kounia, les activistes, on te prend dans le soco. La tontine est sortie. On dit même que parmi les petits, là, il y a un qui la scie dedans. Oligui va apprendre la nouvelle grâce à moi. L'unique influenceuse qui met le soco de tout le monde dehors parce que sa part, on n'a pas laissé. Moi, ce que je fais là, c'est rien. Les gars, là, m'ont acculé ici, m'ont harcelé. C'est la tontine. Ils ont cotisé. Ma part est sortie. C'est qu'est-ce que ma nudité venait chercher dans la politique gabonaise? Ils m'ont fait même des faveurs. Vous m'avez vu un jour que moi, j'ai posté même les gens de leur famille. Ou bien je cherche à savoir s'ils ont les caleçons ou bien ils n'ont pas de caleçons. Moi, ma limite, c'est seulement ça. J'entends le soco. Je prends les petits socos où on se parle. Là, je prends, je pose. C'est mon niveau là-bas. Je suis pas dans la méchanceté comme eux. Eux, ils sont méchants. Ils m'ont harcelé ici. Nzeng sans cagoulé. Pour me harceler. J'avais dit que c'est un sournois. J'ai averti ici aux gens. J'ai dit que vous faites confiance à ce gars. Vous le connaissez d'où? Avant 2017. Vous le connaissez d'où? C'est la tontine, hein? Chacun bouffe. Ne viens même pas nous déranger. Actuellement, la Pyongyang TV est en rupture de chantier. Donc, comme on a gagné un petit chantier comme ça, on prend aussi, on saoule avec. Attendons, on va recommencer un peu exprès. Républicaine. Il y a des gars là-bas que j'ai on a tous gratté. Ils te regardent, ils savent que tu as le sceau de protection du chef, tant seulement. Ils ne peuvent même, je te dis, ils ne peuvent même pas. Je parle de tenter que non, agression physique et autres. Maintenant, moi, personnellement, comme toi, j'ai une plainte, n'est-ce pas? C'est qu'une goutte déplacement m'a poursuivi dans un quartier en voiture. Mais j'avais mon gars qui me protégeait, qui me sécurisait, donc tout en fait, il pouvait rien me faire physiquement. Elle me dit, je te protège, j'ai dit, porte-moi plainte. Bon, elle allait me porter plainte pour diffamation, mais attends, je lui dis que regarde, ta plainte-là ne tient pas, pourquoi? Parce qu'il y a des règles de prescription, la diffamation c'est 6 mois. Le délai de prescription, la diffamation, c'est 6 mois. Quelqu'un te dit qu'il y a 5 ans, tu as parlé du fait qu'il a tué sa fille. Est-ce que le délai de machin n'est pas dépassé? Ton avocat, mais que même la personne n'est pas répondu à la convocation. Tu dis que votre délai est dépassé. Ne me fatiguez pas. Maintenant, venez me soulever, on va vivre ça. Je n'ai appelé personne, aucun colonel, aucun général. J'ai dit que venez me soulever, on va vivre ça ici. Que non, les Gabonais savent que je suis rentré. Le général a dit, les gens doivent rentrer chez eux. Et vous, vous voulez me faire un truc où le délai de prescription est dépassé? Ça va passer par qui? Le lieutenant là qui m'a appelé là de Delville, il a arrêté seul. Quelle information va te faire sur un truc qui date de 6 mois, 7 mois? Quelqu'un va sortir un live de 1 an, 8 ans, 9 ans, il va dire que non, machin, diffamation. Ça va passer par où, grand? De
Non, je comprends. Donc, c'est pas la différence. Tu vois, quelle différence? On a besoin juste de. Nous tous, autant que nous sommes, on a juste besoin de la protection de celui qui est à la tête du pays. Parce que quand il y a sa protection, le reste, personne ne peut rien faire. Or, il n'a. Le saut de sa protection est déjà, je peux te le dire à 200%. Le saut de. Moi, quand je suis parti au Gabon, j'avais dit ceci sur les réseaux sociaux. Je rentre là. Le président a dit que rentrer, je serai le bêta-testeur. Si j'ai la diarrhée. On m'a dit que, Olivier a fait quoi? Il a dit aux gens de rentrer, le pauvre Stéphane vient maintenant, il est hospitalisé à cause de la diarrhée. Et je te dis, docteur, moi ça veut dire que tous les gars qui sont en bas là savent que ceux-là, les activistes là, si on touche, on va directement dire que, la parole du général n'a pas été respectée. La seule chose sur laquelle ils vont vouloir jouer, c'est le judiciaire. Sur le judiciaire, c'est le délai de prescription qui joue pour toi. Maintenant, sur les dossiers où il n'y a pas le délai de prescription, moi je te dis ceci. Il y a des gens qui t'en veulent, ils se disent que si j'attaque là, il est rentré là forcément, c'est par la protection des CTRI. Si j'attaque là, est-ce que même un juge va m'écouter? Non. Voici ce pourquoi je suis rentré au Gabon. Et quand je rentre au Gabon, il y a un seul député, PDG, comment il s'appelle, le gars qui a mis avec le gars du palais au Cameroun, et que j'avais dit que non, il avait voté pour Stéphane Bonda, et moi j'avais parlé contre, il s'appelle comment, le groupe de l'Ambaléné là, il a un nom bizarre là. Donc il me trouve au restaurant, on appelle ça comment, à Pélisson, en train de manger avec le sénateur qui lutte contre les crimes de Kel. Il arrive comme ça, il dit oui, tu as dit que je portais les glaciers sous la Willy, machin, machin, aujourd'hui, il parle. C'est qui m'a bala. Je sais pas comment ils aiment te trouver son nom, c'est un gars de l'Ambaléné là. Il tape sur la table, les assiettes sont, je suis là, je suis assis, je le regarde. Le sénateur lui dit que, lui là, non seulement, il a été invité par le sceau du CTRI, même s'il n'y a pas d'invitation officielle, mais en plus, là où moi je suis là, c'est moi qui suis son invité, son hôte ici là sur cette table. Tu te calmes tout de suite. Les autres se sont levés, ont commencé à regarder comment tu vas faire quoi. Tu ne comprends pas que tu es dans l'enceinte, hein. Tu n'as pas compris ça, hein. Attendez un instant. J'ai un appel. Il faut que je réponde à cet appel. Là, je
Oh, attendez, oh, pardon. Attendez-moi, je remets, oh. Attendez. Regardez, il parle de la fille. Non. Attendez, je remets, pardon. Non, plus là où moi je suis là, c'est moi qui suis son invité. Ah non, c'est encore trop loin. Oui, elle m'a la photo.
Je te dis. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais te dire. En gros, moi, si tu as des gens qui te menacent, moi, je ne dis pas que j'ai un pouvoir ou quoi, ou je ne peux pas m'avancer pour quelqu'un. Ce que je te dis seulement, c'est que nous devons faire corps. On ne rentre pas, moi, je ne rentre pas au Gabon avec, tu dis que oh, je vais aller faire des choses seules, et faire machin, parce que c'est comme ça qu'on va me manger. Il y a des gens qui ne nous aiment pas et nous nous aimerons pas jusqu'à la fin. Ils ne veulent même pas qu'on nous tende la main. Nous devons faire bloc. Parce que la même manière, ils vont s'attaquer à moi, la même manière, ils vont s'attaquer à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te menace, si quelqu'un te fait du trafic d'influence grave, de toi à moi, à l'acte, envoie-moi ce que tu as comme vidéo, n'importe quoi, de quelqu'un qui te menace. Moi, je vais aller le menacer en retour. Parce que ce qui te touche va me toucher. Pourquoi? Même si toi et moi, on est différents, même si on a nos clashs, on nous voit tous hors que diaspora, hors que c'est vous qui parlez contre ma chambre. La même manière, tu vas m'attaquer, la même manière, on va t'attaquer. Donc, je suis bête si je ne te protège pas. Je serai bête parce qu'on va te faire la même chose qu'à moi. On est pareil. Non, ok, il n'y a pas de souci. Je te suis informé de l'évolution des choses là-bas. Je vais rappeler le courant autour de 10h. Donc, en tout cas, tiens-moi au courant. D'accord. Et moi aussi, je fais de mon côté. Comme je t'ai dit, même si quoi entre nous, c'est pas ça, ça nous regarde. Ça nous regarde. Mais les gars là nous voient. Le Gabon nous voit pareil. Les Gabonais nous voient pareil. Ouais. Même si nous, on ne nous voit pas pareil, eux, ils nous voient pareil. Et en effet, celui qui voudra me faire du mal, il va te faire du mal. Celui qui voudra te faire, même si c'est pas le même sujet. J'ai été attaqué sur des sujets du Balocon. Parce qu'ils nous voient pareil. Le Balocon peut être attaqué sur mes sujets. Et toi, tu peux t'attaquer sur mes sujets à moi, comme je peux t'attaquer sur les tiens. C'est comme ça. On est comme un clan. On est comme un clan vu des Gabonais. Ils appellent ça la diaspora. Ouais. En tout cas, c'est chaud, hein? C'est vraiment chaud. En tout cas, pour les retardataires, je ne veux pas m'avancer plus longtemps, pardon. Ma journée est en train de commencer comme ça. Je n'ai pas le temps d'épiloguer là-dessus. Donc, je suis allée chercher moi-même l'audio. Parce que, écoutez quand même Jonas. Mais je vous suggère d'aller écouter Jonas sur son live. Sa nouvelle page, c'est Jonas Moulinda officiel. Seigneur, le gang de Kango. Le recrutement de ça. Attends, lui, il a d'abord fini de convaincre son ami Yandon. Je suis à convaincre Moulinda. Ou bien, comme Yann a dit que lui ne rentre pas, il reste quand même en diaspora. Donc, il faut qu'il ramène quelqu'un dans ses valises. Qu'au nom, nous devons faire bloc. Toi, tu faisais bloc quand tu prenais les litchis avec ton ami et il parfait que vous disiez que vous suiviez les avions avec... Les appareils d'écryptage des sosies à 17 000 euros. Mais vous avez vos gangs ici. Les boucs doivent se... Mais... Baladez-vous ensemble. Pardon. Moi aussi, on m'a aussi appelé hier que, oh, viens vite, oh. Moulinda a encore posté les... Les enregistrements, ouais, Jonas. Arrête d'enregistrer les gens. C'est tout ça là qu'on nous reproche. Moulinda... Qui ignore que Moulinda enregistre? Donc, il savait déjà qu'il était dans la tontine. Dis donc, libérez la vie des gens. Ceux qui veulent réécouter en différé, vous réécoutez. Je me prononcerai en différé. Nous devons d'abord... on doit d'abord analyser, non? Vous pensez comment? Vous pensez comment? On doit d'abord digérer, non? On digère ça, on analyse ça, et puis après... On donne notre avis, n'est-ce pas? Quand on a parlé de la team au Bangam, les gens ont dit que, oh, il ne faut pas venir parler. Il faut écouter, hein? Parce que demain, je ne veux pas entendre quand les enfants, les gens seront en prison. C'est comme ça, vous êtes levés, vous êtes allés sortir, Jesse est là et Koga de prison, laissez que Liondo. Vous, mes frères et sœurs de la communauté, ethno-linguistique, fin. Ça ne vous dit absolument rien. Voici comment vos enfants sont dans les téléphones des gens pour aller recruter les gens. Là, à l'heure là, vous ne voyez pas. Quand ça va cuire, vous allez prendre le même oligui là, vous allez le jeter dans le Haut-Togo pour dire que c'est un altérovéen selon la coutume. Non, hein? On a maintenant commencé à partager le pouvoir. Il y a le pouvoir des uns et il y a le pouvoir des autres. Nous sommes, vous êtes les pères, nous sommes les mères. On va nous insulter ensemble. Il faut un homme et une femme pour faire les enfants.
dont l'enfant est né, c'est notre général Brice Clotaire Oligui Nguema. Voici ce que la team Obanga me fait. Lui là, il n'est plus ingénieur. Hein. Quand j'ai 3 compagnies, j'emploie 4 Gabonais à la com. Voici les gens qui sont en train de mettre les caisses de résonance pour contre-attaquer dans les réseaux sociaux. Il a dit lui-même. Parce que demain, quand je vais prendre en charge, vous allez dire que mes tata Iguette fait de l'acharnement. Qu'est-ce qu'il dit? J'emploie des Gabonais. Il y a 3 ou 4 Gabonais qui sont à la com. Exactement ce qui se passait déjà dans l'ancien régime déchu précédemment. Voici pourquoi est-ce que certaines personnes qui sont très dans l'offensive font l'objet de beaucoup d'attaques et d'invectives de la part des gangs. Attendez. Attendez un instant. On m'appelle, hein, vous voyez, j'ai pas le temps. Allô? Donne-moi 5 minutes. Je peux te rappeler dans 5 minutes? C'est correct. Ok. Non, 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 je te rappelle dans 5 minutes. Ne parle pas, hein, je suis en direct. Donc, si ta voix sort ici, là, les problèmes, oh, ne parle pas. Bisous. Donc, vous voyez, non? Moi, les gens m'appellent, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas le temps de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux. Donc, je reviens sur ce que je disais. Il a dit qu'il emploie les gens à la communication. Vous pensez que les communicants, là, vont faire quoi? C'est eux qui sont dans les caisses de résonance à nous acculer sur les réseaux sociaux. C'est eux qui sont en train d'envoyer tous ces petits-là. Il y a une armée de faux profils qui s'est multipliée sur TikTok. C'est incroyable. À peine tu prends la parole pour apporter tes observations sur la situation de leur propre général et eux-mêmes, ils t'ont déjà insulté. Les mêmes dictées pour les mêmes fautes. Voici les poubelles de Jean Ping. Parce que tout ça, c'est la pingale qu'ils ont pris. J'avais bien dit que ce ne sont pas des opposants. Ce sont des opposés de circonstances. Parce que des gens qui s'attellent à utiliser les méthodes de ceux qu'on conspue, en quoi ils sont meilleurs? Vous avez emmené l'injure, vous avez emmené la diffamation dans notre milieu, vous avez emmené la calomnie, le harcèlement, l'humiliation dans notre milieu. Et aujourd'hui, vous êtes reparti dans ce que vous savez le mieux faire. Parce que Oligui va utiliser chacun selon sa convenance, selon ce qu'il sait faire et ce qu'il a apporté. Et ce que vous pouvez apporter, c'est justement ce que vous aviez appris à faire au cours de ces 7 et 8 dernières années. Créer des caisses de résonance, c'est comme ça que vous aviez détruit l'image de Ping dans l'opposition. Aller faire des contrats iniques, vous illustrer dans l'injure, la propagande mensongère, la délation. Vous avez calomnié les gens ici, accusé les gens qu'ils sont en conglomérat avec le régime. C'est de la saleté. Et aujourd'hui, vous voulez repartir dans vos premiers amours. Mais sachez à qui le faire. Et toi, Nzeng, je te donne une sommation. Don't play. Ne viens même pas dans mon couloir. Vois-moi comme disent les Ivoiriens en loupé. Parce que je suis légitime d'avoir la posture que j'ai décidé d'avoir. Tu n'es rien. Tu es venu me trouver dans la politique. C'est Jonas qui vous donne l'accès à lui. Vous avez remarqué, tu vas passer par où? Et puis toi, si toi et moi on a parlé, c'est que c'est moi la fille de Josiane et d'Isaac qui est décidé de te parler. C'est la relation que toi et moi on a. Tu es qui? Et puis toi tu vas m'appeler. Et puis en tout temps mes conseils, je vais prendre mon téléphone, décrocher puis commencer à causer avec toi. Genre je m'ennuie quoi. Est-ce que je m'ennuie pour m'asseoir avec toi et causer avec toi? Donc tous les petits minions là, que tu as allé choper entre la page de chez Yann, la page de chez ceci, là, faut savoir chez qui tu les orientes. Si seulement je me suis réveillé un matin, et puis, je suis, ça dit que le matin là même, je t'ai vu dans mon son, je vais t'allumer, tu me connais, non? Tu me connais. C'est ça le travail que tu fais aujourd'hui. En quoi tu es meilleur que ceux qui faisaient la propagande d'Ali Bongo? Donc, toi, tu peux venir chercher et les activistes dans la diaspora pour aller travailler les PDG, c'est ça? C'est ça le changement que nous avions promis au cours de ces 10 dernières années? Parce que je vais englober. Vous n'avez pas 10 ans, mais je vais englober. C'est ça ce qu'on a promis aux Gabonais? Tandis que tu te soucies de la situation de Moulinda et ces Gabonais qui sont là-bas au Gabon, qui sont face à leur situation de misère depuis avant l'ère de l'émergence. On fait quoi de ces Gabonais, non? On s'en fout. On devient les amis du général.
on bénéficie d'une petite parcelle de pouvoir qu'on pourra nous donner, un petit système un peu de comment on appelle ça, d'influence juridique. On mange à notre faim, on scolarise nos enfants et ces Gabonais à qui on a promis par le principe de notre engagement. Est-ce que vous êtes conscient de ce que nous avions décidé de faire lorsque on a pris la responsabilité de chausser les vêtements et les chaussures, les souliers du véritable changement? On a promis aux Gabonais de les emmener vers l'apogée. Ça veut dire que même si on tombe les armes à la main, mais on continue à laisser derrière nous un legacy, un héritage. C'est ça le véritable changement. Venir prendre les gens au faciès, faire une organisation de copains et coquins, se protéger entre nous et ces Gabonais qui ne peuvent pas bénéficier des relations que nous on est susceptibles d'avoir parce que nous on a fait les vidéos dans la diaspora. Nous sommes illustrés, nous avons des noms. Mais ces Gabonais qui n'ont pas nos relations, qui sont victimes d'injustice, ont fait quoi? Zeng, il y a le désordre dans le pays. Zeng, pendant que tu promeus comment on appelle ça? Le CTRI, on découvre chaque semaine désormais des corps abandonnés, mutilés, des jeunes Gabonaises, des enfants disparaissent, tout. Qui a tué Karl jusqu'aujourd'hui? Ça ne vous préoccupe pas. Non, vous faites la bringue. Vous avez rempli entre le 14e et le 8e, le 16e. C'est seulement de la communauté gabonaise qu'on parle. Vous buvez, vous célébrez quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Les Gabonais vont manger quoi par rapport à la cherté de la vie? Ta tante camerounaise t'a abandonné ici, au banc de touche. Il a fallu que d'autres te remorquent par compassion comme tu es un opportuniste. Sinon, Mbango t'a enlevé de son schéma il y a longtemps. Tu es là-bas, là, c'est-à-dire, c'est parce que tu es seulement un gars ambitieux. Et puis, apparemment, tu es un peu déterminé. Sinon, tu n'es même pas dans le schéma des stats camerounaises de tante. Vous faites l'ambiance à Paris, payée par le contribuable gabonais, le trésor public. Donc, nous, on a voulu enlever les émergents parce que c'est ça là qu'on voulait venir promouvoir aux Gabonais. Où est la fierté dans ce que vous êtes en train de faire, en fait? Ce que vous ignorez, c'est que le temps est un facteur déterminant. L'histoire, vous y répondrez devant la conscience collective parce que les Gabonais sont témoins de ça. Ils sont encore peut-être un peu manipulables parce qu'ils sont dans l'euphorie du moment. Mais un temps viendra où vous allez. Et ce qui me fait mal, c'est que tu es tellement, tellement sournois et vicieux que tu vas trouver le moyen de te faufiler parce qu'il y a une seule chose que je te reconnais à toi et ta tante Laurence Ndon. Vous avez une subtilité particulière de pouvoir fuir les situations ambiguës et pouvoir vous reconvertir ailleurs. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça, mais ça, je vous le reconnais en toute humilité. Vous êtes doué pour ça. Vous avez une capacité de régénération, je régénère, mange, je ne sais pas. Vous arrivez toujours à vous régénérer. Vous n'allez rien assumer. Oligui est là aujourd'hui, on prend Oligui. On le dépose. Vous serez les premiers avant que le chant du coq n'ait sonné trois fois pour déposer ses bagages. C'est Oligui qui ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas des gens fiables. Vous avez servi différents mecs dans cette opposition-là dans laquelle vous êtes venu me trouver. Vous aviez accompagné tellement d'agendas politiques, mais c'est Oligui qui devait faire une analyse logique de qui vous êtes. Vous êtes partout en même temps. Où il y a une petite parcelle de bonheur, c'est là-bas où vous êtes. C'est de l'opportunisme, hein, au sens propre même du terme. C'est la définition exacte des opportunistes. C'est fait de l'opportunisme. Vous n'avez été que du côté des puissants. Vous n'aimez pas la souffrance, ta tante et toi. Vous êtes comme des charognards. Mangez les caracasses des gens en politique. Vous n'aimez. Ça démontre votre fond. Ce que vous êtes en profondeur. Vous n'avez pas. Comment on appelle ça? Vous n'êtes pas la politique, je ne sais pas, la culture, voilà. Vous n'êtes pas la culture du mérite. Vous ne savez pas ce que c'est que mener un combat dans une vie de sacrifice. Vous pensez que les gens qu'on idéalise, qu'on admire là, allez lire leur histoire. C'est des gens qui ont connu des vertes et des pas mûrs. Oligui lui-même, pour qui vous êtes aujourd'hui prêt à vous vendre et vendre maintenant toutes vos familles. Vous connaissez son parcours. Il sort de très loin, c'est un enfant de destin. Tu as pris?
Ok, je vais finir. Donne-moi 5 minutes, ok? Donc, la vraie vie, le vrai bonheur se savoure quand on a fini de travailler. C'est pourquoi vous voyez que après une vie de sacrifice, à un certain moment, on vous appelle à la retraite. C'est le temps de récolter le fruit de votre semence. Vous ne semez nulle part. Vous êtes là. Vous êtes des opportunistes, des pronostiqueurs qui regardaient à côté de la fenêtre. Bon, telle oui, non, telle chose est favorable. Ah oui, non, ça paraît ça. Vous êtes même allé suivre Ping, pas sur le principe de la conviction. Toi et Tata Mbango, vous n'êtes allé là-bas que parce que Ping était un puissant. Il avait l'agenda qu'il fallait, il avait la manne. Vous n'avez suivi que ces deux choses. C'est pour ce principe que vous avez suivi Ping. C'est pourquoi avant même que la piscine ne se vide, vous aviez déjà abandonné ce monsieur au carrefour de l'histoire. C'est les gens qui ne vous connaissent pas qui peuvent s'allier à vous. Vous n'êtes les amis de personne. Regarde, au jour d'aujourd'hui, tu as laissé ton ami Yann. Tu es maintenant en train de vouloir chercher à recruter Moulinda. Parce que tu sais que Moulinda le vend en poupe. Tu sais que le Jonas, ça le vend en poupe. Et que si vous arrivez à nous prendre Jonas, pour nous qui sommes quand même restés dans une posture de véritable résistance, ça va nous faire du mal. C'est pourquoi vous cherchez à copter les gros poissons. Et vous savez que nous prendre Moulinda aujourd'hui à notre corporation, ce sera un coup parce que vous êtes des pois légumes. Le général s'est trompé sur son pronostic. Vous n'avez pas de poids politique, vous n'avez pas de base, que ce soit toi, que ce soit Yannick Ndomba. C'est pourquoi vous êtes tantôt sur la page de tel activiste aujourd'hui, demain vous êtes sur une autre page, après demain sur une autre. Vous n'avez pas de consistance politique. Et vous voulez argumenter. Oh, vous avez fait l'école. L'école est où? Amenez vos diplômes, on vous nomme aussi, comme on a nommé les autres. Vous êtes ici là, non? Vous êtes maintenant dans les histoires d'aller faire maintenant les rassemblements, dans les trucs que Messi faisait pour Ping. C'est moi qui suis venu de la vérité, c'est que je n'ai pas de diplôme. Mais Stéphane, j'ai décidé de repartir à l'école, je n'ai pas de complexe. Parce que j'ai encore le temps. Dans 10 ans, je n'aurai même pas 50 ans. Je peux m'offrir une carrière. C'est pourquoi est-ce que je n'ai jamais été influencé par votre mystification. Vous avez menti ici aux gens. Quoi, tu es ingénieur d'où? Tu appartiens? Tu as fait ton ingénierie où? Tu es sorti de quelle école? Tu es de quelle promotion? Oh, dis donc, moi je vais m'habiller en bas parce que je suis sorti des malades. En tout cas, hein, je vais t'allumer. Les Gabonais, on se revoit tout à l'heure. Il est quelle heure? Il est 13h, non? Cherchez-moi à 16h, donc 3h sur TikTok. Vous connaissez mon TikTok, non? C'est mon nom, Dana Leizama. C'est là-bas, je serai sur TikTok. Si vous ne me voyez pas, c'est que je serai chez le Phoenix. Il y a les deux pages. Vous me cherchez soit sur ma page ou sur la page de Mister le Phoenix. Ceux qui n'ont pas écouté l'audio de la conversation de Stéphane Zeng et de Moulinda, s'il vous plaît, venez dans 3 heures de temps. Je serai sur TikTok. Le temps que mes enfants là me traduisent. Parce que Jonas m'a envoyé ça sur Telegram. Faut qu'on convertisse ça, je vais mettre ça en vidéo. Je vais te faire un vrai décryptage. Vous savez que moi, je ne crie pas avec vous. Non, j'ai trop changé, j'ai maturé moi. Je n'ai plus le temps. Je ne crie pas avec vous. Le temps est un facteur déterminant. Il est en train de révéler la nature de tout un chacun. Et je n'ai pas envie de beaucoup m'étendre là-dessus parce que ce sera l'un des points sur lesquels je vais analyser, épiloguer. Je reviens sur les réseaux. Il faut qu'on parle de votre dialogue, monologue. C'est un pétard mouillé. Vous ne fondez que des crises aux gens. Et je l'avais dit aux Gabonais. Vous suivre, c'est aller dans le précipice. Regardez, vous nous emmenez partout. Nous, on vient, on va ouvrir les entreprises. Et ces Gabonais-là, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas les relations que nous, on est susceptibles d'avoir. On fait quoi d'eux? On les regarde? Parce qu'on peut voyager avec le président? Vous n'avez même pas de classe. Les photos dans lesquelles vous apparaissez, il y a des villageois qui sortent. Vous êtes des has-beens, hein? Vous êtes des vrais villageois. On sent des enfants qui n'ont pas la culture d'un certain niveau de personnage. J'ai vu ta photo avec ton frère Ndomba. Il faut qu'on parle de ça. Vous vous retrouvez devant la chef de la diplomatie gabonaise auprès de Paris. Vous regardez votre camarade garçon avec envie. Vous êtes des PD. Vous êtes les E. Hein? Vous regardez Oligui avec tel Ndomba. On dirait qu'il veut même aller dormir maintenant avec Oligui. Oh! Yambo! Pardon. La fille de José Angel, le sang de l'iguano, pardon. Allez dire que j'ai dit. Je ne fais que dire la vérité. Qu'est-ce que je m'importe là? Je sors. Je dois aller faire une course là.
vaccin, si je ne fais pas la course là maintenant, nous qui nous conduisons comme des pommes de champ. C'est pour dire que je n'ai pas le temps. Des fois, les gens m'appellent, oh, je ne réponds pas. Moi, je suis occupée. Regardez comment mon téléphone a sonné là au moins 4 fois. Je dois répondre à mes appels. J'ai des choses à faire, moi. Les Gabonais, on se voit dans 4 heures de temps. Je viendrai un peu laver ce zing là. Toujours dans la fourberie. Quand j'avais dit que c'est quelqu'un qui passe dans les bagbats. Oh, Moulinda, rentre. Tu sais, j'ai vu ta fille. Je connais le sens de la famille. Pour... Oh, oh, ne veux pas mourir seul, le Koumé. Mais j'ai déjà dit que vous n'êtes pas raciste. Vous-même, vous n'êtes pas en harmonie avec votre conscience. Mais pourquoi vous cherchez à amener les autres avec vous? On vous laisse au général au lieu de profiter. Ça fait. Donc, quand tu vas ramener Moulinda, après, tu vas ramener encore qui demain? Moi, hein? Ou bien Geno, ou bien comment? Prenez tout l'argent à manger, construisez le Gabon avec. Vous n'avez pas encore compris quoi. On vous a déjà laissé avec le monsieur. Bon, je vous laisse. À plus tard. Oui, non, j'ai allumé la lumière, c'est normal. Bisous, bisous. À plus tard. Tata Grace, je t'appelle tout de suite. On va rigoler. Appelle-moi sur WhatsApp, maman.